Eh bien salut tout le monde, c'est Dalkai, j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois sur FIFA 15, toujours en compagnie de Monsieur Coty, comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Bah écoute, ça va impec, on est là pour une grosse affiche qui a été demandée par nombre, énorme, pas nombreux ouais. D'entre vous. Ouais, c'est une personne qui a mis un commentaire, il s'appelle Roronoa Juro, enfin un personnage de One Piece, il a mis PSG Chelsea, ça serait pas mal vu que bientôt le choc, hein, mardi, ouais. Au moment où l'enregistre, on est lundi. Voilà. Pour ceux qui se demandent, et vu qu'il y a plus de 150 personnes qui ont mis un pouce positif pour ça, je pense que vous le voulez tous ce match. On a été simple dans le choix des équipes. Moi j'habite à Montreuil dans 93, donc Paris c'était le plus proche, d'Alcaï et de Lille, donc Londres est plus proche de Lille que de Lille de Paris. Bref, c'est à peu près ça. C'est vrai que je suis plus proche de l'Angleterre que toi, donc voilà. Voilà, donc on a fait donc, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, moi je suis prêt. Alors tu vas prendre quelle couleur ? Rouge ? Bleu, si tu veux, vas-y, je joue en jaune. Ouais, j'aurais bien voulu me mettre comme ça. J'aime bien. Ouais, vas-y, bah, je vais jouer en jaune alors. D'ailleurs, on va vous demander deux petites choses. Si... Attends, d'ailleurs, bon, faut que je change mon équipe là parce que. Alors moi je vais regarder la gestion d'équipe, voir un peu. Il n'y avait pas... c'est là où le problème va se faire. Bon, on va mettre Cavani ici, même si c'est... hop, et... J'espère que mes changements auront un impact. Enfin, c'est là où on va voir si c'est du coaching ou non. Oui, donc comme je disais, pendant qu'on s'occupe de ça, vous pouvez pronostiquer le match, le nôtre et le réel, c'est très simple. En gros, vous mettez entre nous, par exemple, Dalkai 6, moi 2, par exemple. Mmh. Et dans le match réel, vous mettez réel 2 points. Et voilà, à votre avis, il y aura combien ? Logiquement, on mettra la vidéo le mardi vers 16h-17h. Ouais, voilà. Ça laissera le temps de la voir avant que le match soit diffusé. Tout oui, d'accord, les pompiers, c'est très bien. Enfin, je crois que c'est les pompiers. Je distingue toujours mal l'ambulance, les pompiers. Je crois, il me semble que c'est les flics, mais... Ah. Je dis pas ça parce que je suis habitué, mais... Voilà, j'ai envie de dire... Non, mais on sent le mec qui se fait toujours embarquer. Mais... Non, pas du tout. Oui, d'ailleurs, je pose aussi une petite question pour les pros de FIFA. Alors, ou peut-être toi, qui sait, comment on fait un enroulé ? Parce que, tout, en commentaire, on me dit Coty, tape des enroulés, mais il y en a qui me disent, c'est comme ci, d'autres, c'est comme ça. Il me semble que c'est frappe et R2, hein, si R2 je dis, ouais. Parce que voilà, si dans le cas il y a raison, bah, dites-le. Oh putain. Mais s'il a pas raison, n'hésitez pas à... Oh la faute là vous êtes... Non, il n'y a pas de faute. Oh oui ouais. Ouais, la possession, Paris, ils sont bons pour ça. Bon, moi j'ai enlevé Didier Drogba, alors je sais pas si c'est un beau choix. J'ai mis Costa à la place. Ah, j'ai dit Costat. Oui, je t'ai mis, tu vois. Ils t'ont créé, tu savais pas. Ils t'ont dit, allez, petite dédicace, tranquille. Alors, j'ai des petites latences. Un tout petit peu aussi. Ouais. Donc, au cas où les gens diraient la vidéo bug, c'est pas la vidéo, je crois que c'est un peu la connexion. Hop là. Merde, je vais faire un truc. Allez, là, je me mets un peu dans le match. Voilà, c'est passé. Voilà, c'est ce qu'on veut. Oula. Oh la frappe. C'est joli. C'était mignon. Allez, maintenant on y va parce que. Faut y aller quand même. Alors moi comme d'habitude je joue avec Véronique hein, pour pas changer. Je mettrai le son quand je pourrai. J'espère ne pas la voir. Non mais toi gars, l'arbitre. Ah ok, d'accord, pas de problème. C'est le mec qui s'apprêtait déjà à crier sur l'arbitre en disant non y a pas faute. Merci. Ok, superbe passe. Non, c'est bon, on l'a tranquille. Non mais c'est normal. C'est normal que tu gagnes. J'ai vu, il y avait une erreur. Voilà, tu vois. Oh là là. Décidément, il est toujours bien placé. Voilà, faut jouer rapidement. Allez Cavani. On compte sur toi sur ce match. Oh là, je suis dépassé. Allez, vas-y. Allez, balle. J'ai du mal un petit peu à mettre dans le match. Je t'avoue, je suis un petit peu dans le gaz. Voilà. Ça, c'est dur. C'est du jeu parisien. Oui. Allez, hop là. Voilà, c'est bon. Ah, j'ai du mal aussi. Moi, j'essaye de me concentrer, hein, parce que j'ai pas... Oh non, mais ça commence. 15e minute de match, but de Zlatan. Mais, faut être franc, je vais être très très franc. T'as dominé. Toi, tu dominais, que tu t'avais la possession
Mais à mon côté, voilà. J'ai mon joueur qui est blessé déjà. Ah, Costa en plus. Oula. Ouais. Comme quoi, ton coaching n'a pas. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai défoncé tout à l'heure en faisant un tacle très. Ouh, putain. Ouh. Oh non, c'est pas ça. Je crois que je l'ai contré en faisant le tacle avec David Luiz. Tu crois? Ah non. Non, non, non. On aurait pu. Dommage. Ouais. On sent la pression. Limite, on a l'impression que c'est nous qui jouons le match. Ouais. Je suis sûr, des fois, je me mets. Là, tu dis. Par contre, toi, t'as. Comment dire? Une chance avec. Enfin, t'as une chance. Il y a un truc que tu maîtrises bien, c'est les coups de pied arrêtés, les têtes, j'ai remarqué. Ça, bah, les coups de pied arrêtés, c'est après. Bon, FIFA est assisté à ce niveau-là, faut pas se mentir. Ouais, mais bon. Pas mal de fois, on me dit, ouais, Coty, tu passes pas mal sur les côtés. Ouais, mais bon. Le jeu est fait comme ça, faut savoir utiliser les bonnes choses. On n'est pas là pour jouer au Playmobil. Et voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que j'arrive bien à défendre. Je suis meilleur en défense qu'en attaque, parce qu'en attaque, je. Ouais, vas-y, allez. Non, ça passera pas. Allez, vas-y, on change d'aile. Oh, mais tu bizarre. N'es pas un pigeon. Ouais, j'avoue. Et ça paraît qu'il y a beaucoup de pigeons. Quoi, tu es à Lille? Est-ce qu'il y a des pigeons à Lille? Oh, bien sûr, bah, dans toutes les villes, je pense. Ouais, non, mais toi, des fois, enfin, à Paris, t'as vraiment genre des gangs de pigeons, quoi. C'est... Ah, ouais, non, mais Lille aussi. T'as des gangs de pigeons, des trucs chelous, des fois. Ouais, mais je mise trop sur Zlatan. Tranquille, tranquille. Voilà, reposez-vous. Marco Verratti. Ah! Non. Ouh là là, genre, il roule sur sa tête. Oh. Ah, merde, comme il plonge. Il plonge alors qu'il est au milieu du terrain. Mais non. Il avait le ballon. Oh, Ibrahimovic, là, il faut lui enlever le ballon. Des yep! Il me fait peur, moi, Ibrahimovic. Je sais pas pourquoi. Il est quand même dopé hein, sur FIFA. Bah, c'est comme les Messi, c'est comme les Ronaldo. Si tu sais qu'ils ont la balle, bah, c'est très dur de les arrêter. Oula! Oh putain! Quand je ferme ma gueule, ce qui arrive très peu, c'est quelque chose qui peut se passer. Restons courtois, n'est-ce pas? Oui, c'est la blague qu'on a dû se placer un million de fois. Et encore, vous n'avez pas vu le match France-Belgique qui sera diffusé un jour? Ouais. Très beau match d'ailleurs. Oui. Bah, tous les matchs sont très serrés. Hein. De toute façon, nous, tant qu'on s'amuse, moi, comme je dis souvent. Ouais, c'est l'essentiel. Bon, après, certes, j'ai des efforts à faire quand même. Ouais, mais c'est bien comme ça, tu vois. De toute façon, à force de jouer ensemble, on va se connaître. On va connaître nos mimiques et notre style de jeu. Oh, je t'ai vu là-haut. Ouais, ça peut être dans. Hors jeu. Ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Puisque si tu me connais parfaitement, eh ben là, c'est là que tu vas commencer. Parce que moi, j'ai quand même tendance à jouer tout le temps de la même façon, tu vois. Tu prends les attaques. Bah moi je connais ta façon de jouer quand tu pars sur les côtés, après je sais ce que tu vas faire par exemple. Ouais. Mais. Mais bon, là je marque un but, hein, je suis désolé. Mais non, faut pas dire ça. Si. Si. Oh. Si. Tu me laisses tranquille toi. Oh. J'ai voulu changer un petit peu et faire quelque chose d'autre. Ouh, le petit Verratti. Il est petit mais costaud. Allez. Thiago Silva. On monte là-haut. Voilà, tranquille. Aussi pour ça, Lucas, c'était peut-être lui la clé du match. Avec Zlatan Ibrahimovic. Allez. C'est pas bon signe, les potes. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Je t'avouerais que là, je la voyais dedans. Moi, je me suis dit, allez, go. 2-0. Je la mets très souvent dedans. Ouais. Je te dis, tu contrôles la balle avec, je sais pas, avec ton cuir chevelu ou je sais pas où. Oh. Ah, mais David Luiz, là, tu l'as parlé de cheveux, ça y est. Parce que je le vaux bien. Ah oui. Ouh, non, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, j'aurais dû la contrôler. Je fais plein de petites erreurs, ça c'est. Ok. Bon, tranquille. Bien joué. Oh shit. Oh, c'est bien vu ça. C'est bien vu. Merde. Là, il y a un contre. Oh, mais depuis quand il se fait bouffer physiquement, Zlatan? Quoique, c'est vrai que c'était en 2015. Ouh, magnifique! Ouh, mais non, ça, c'est pas magnifique. En fait, j'étais tellement surpris par ce qu'il a fait. Parce que c'est pas moi qui l'ai fait, hein, pour ceux qui se demandent. Que j'ai pas compris, ok. Alors là, il reste 3 petites minutes de temps additionnel. C'est là où tu peux me tuer si tu marques un but. Oh, ouais, mais. On veut, personne ne veut la balle, quoi. Tu vois, c'est... Qui la veut? Moi, je la veux.
Voilà, tu l'as récupéré dans ton but. Voilà. Allez, Cavani. Allez, on la dégage. L'arbitre, il va siffler, j'espère. Oh là, l'arbitre, il s'en fout. Bon. Tant mieux. Première mi-temps, plus. Marmiton, bref. Je fais ouais, Marmiton. D'ailleurs, Marmiton, c'est le mot magique de cette vidéo. Tiens, voilà. Pourquoi des fois, il arrive tout seul hein. C'est. Impiré. Tu me donnes faim. Ah oui, non mais je sais que t'as faim, tu vois. Ouais, en plus, c'est vrai. C'est peut-être là où tu vas pêcher. Mais non. C'est que, vu que t'as faim, il suffit que je te parle de bouffe. Et ça peut-être le faire. Ah, attention. Non, c'est bon. Oh là 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 là. Allez, bon, laisse ce que je fais. On y va, contre-attaque direct. Hop, là j'ai le champ libre. Voilà, je vais au champ. Ouh, ouh. Ouh, mais c'est quoi ça? Il a glissé, chef. Mais il a glissé. Il a pris mon maillot, genre il se transforme en maillot S à XL quoi. C'est pas grave. Mais tu non, peux tricher. Tu dis ça, c'est un effet d'optique, crois-moi. Marco Verratti. Oh merde. Oula, c'est pas bon ça. Je fais une erreur parce que je sais que c'est pas trop en contre-attaque. Allez. J'ai joué ça. Dommage que c'était un petit peu téléphoné. Oh oui, je t'ai vu. Vas-y, Nathan. Vas-y. Oh non, le joueur s'est arrêté. C'est pas possible, les amis. Courtois à la parade. À l'attaque, il a dit. Tu me perturbes. Je sais plus comment jouer. Mais merde, en même temps, si tu l'as fait au mec qui est le plus hors jeu du monde. Oh, bien joué ça. Oscar. Oulo. Oh, magnifique. Ouh, mais qu'est-ce qu'il arrive? T'as pu se la mettre à qui? Voilà, vous voyez? Oui! Oh non! Oh mon dieu! Ah, c'était chaud! Ok, le qui fait une bicyclette pour pousser la balle. Ouais, non, mais il l'aurait mis dans le but, ça aurait été mieux, tu vois. J'aurais aimé, honnêtement. Ah, ça t'est arrivé. Voilà, c'est. T'as fait une très belle occasion. Matuidi. Marco Verratti. Voilà, c'est pas mal. Allez, il suffit que tu réussisses ton contrôle et boum! Ouh! C'est le mec qui s'est bu là. Ah non, sérieusement, là, le match est serré et chaud. À n'importe quel moment, tu peux prendre de l'avance ou je peux égaliser. Oh là là. Alors, on part plus sur de mauvaises bases pour moi. Non, ouf! Oui, il y a faute. Ça en met beaucoup, Lucas, là. Il a pas sifflé. Pas mal ça. Oh merde, ouais, il a passé. Oh, mais vas-y, laisse la balle aussi, Verratti, t'as raison. Je sais que t'es petit, mais quand même. Allez, drop, cours. Costa, t'es à fond, t'es un. Oh là! Regarde, et lui, par contre, il tombe et il y a faute. Ah oui? Bon, oui, il y a faute, je me doute. Je dis pas non. Mais. Oh là là. Okay, voilà. Et là, on part en contre-attaque. C'est parti. Ça, c'est ce que tu penses. Si, si, regarde. Je dis, un coup de poker, si je réussis ce truc, c'est, on s'en rappellera. Bon, par contre, là, j'ai fail. Merde. Allez, pas on y va. Ça. Alors, pourtant, enfin, Bregas, il a plus de jus, hein. Oh, voilà, c'est bien ça. Ça va, elle sort. Voilà, c'est ça que c'est bon. Quoique dans l'axe, faut pas faire ça. Ouais, plus jamais. Oula, vous êtes très dur, monsieur. Hein. Ouais, bon, la jouer à l'anglaise, je suis pas contre, mais. Ah, mais je suis anglais, hein. Attends. Ah, oui, c'est vrai que j'ai remarqué depuis très longtemps que t'avais un accent anglais. Ouais, je sais. Mais Cavani, s'il te plaît. Oh, magnifique. I speak very good English. Oh, c'est l'accent pakistanais anglais. En fait, j'ai vu pas mal de pakistanais en Angleterre. Bah, c'est surtout les chauffeurs de taxi. Ils parlent comme ça, hein, c'est vrai. Comme t'es dans les Simpsons, là. Le vendeur d'épicerie, là. Oh. Merde. Apu. Bah, t'es, ils ont fait un accent chelou. Bah, ils ont vraiment cet accent. Bah, c'est ça. Hein. Mais là, t'en profites. Hein, t'essayes de. Oh non! Oh non! Oh là, mais cette tête! Je te dis, lui en plus, c'est Tahiti Bob. J'en reviens avec ce système des Simpsons.
Mais Tahiti Pop, il est limite en, presque en dehors de la surface, pas loin, enfin, 1 ou 2 mètres. On laisse le ralenti, là, je veux voir ça. Oh, mais il a la toile d'araignée. La toile d'araignée. Il y a un truc dans ses cheveux, voilà. C'est pas possible. D'ailleurs, si on a fail, je viens de comprendre, on joue à Chelsea alors que normalement ça joue à Paris. Mais ça, bon, c'est. C'est pas faux, mais c'est pas. Bon, allez, on s'en fiche un petit peu. Allez, Cavani. Hop. Oula, mais il y a faute. Oh, le mec, il va les fautes partout. Ok. Ça fait quoi d'aller à la plage? Bonne question. Ouh, c'est pas mal ça. Mais Verratti, il a du jus, il a du jus. Ouais, la faute, là, monsieur l'arbitre, il s'en fout. Bah oui, il a raison. Mais non, il a pas le droit. Oh, c'est joli ça. Ouais, mais. Zlatan, je sens. Oh putain, les jeux. Oh putain, les jeux. Oh putain, les jeux. Oh putain, les jeux. J'ai envie de t'embêter. Oh, vas-y, c'est lui. Ah, je sais pas si elle est bonne. Je sais pas si elle est bonne. Oh, pas loin, pas loin, pas loin. T'as un 77ème, bon, à 2-0, 2-0. Ah, tu sais très bien que tout peut changer. Tout. Bah, revenir au score, oui, égaliser un peu moins, gagner, ça. T'as eu les actions, hein. Tu les as eu, les actions. C'est, mon gardien, il était là quand il fallait. Il y a après de la malchance, des fois, quand il y a des têtes qui passent, d'autres têtes qui passent pas. Mais tu dis. Toi, là, défensivement, tu me mets mal. Ah, le problème, c'est que ça attaque. Attaquement. Oui. Ça à l'attaque, je vais te mettre mal. Offensivement, c'était le mot que je cherchais. Ouais. Ah oui, ah oui, c'est vrai que c'est très loin le mot quand même. Non, non, c'est bon, c'est bon. On le stoppe, on le stoppe. Voilà. Le problème, c'est que ça se passera pas comme ça. Si les Parisiens marquent, ils vont dire tiens, on a un but, on va se calmer un peu. C'est ça le problème à chaque fois. Mais bon, allez. Oh, des jeux. Putain. Oscar. Ouh, bien joué. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Crap, pourquoi j'ai fait ça le retour là? Je sais pas. Par contre, Zlatan, faut que tu repars tout de suite. Parce qu'après, moi, quand je suis tout seul, je sais pas quoi faire. Je suis pas vraiment un très bon dribbleur. Voilà. Elle est pour nous, elle est pour nous. Verratti, t'es l'essence de ce match. Oh, putain, t'as failli l'avoir encore. Fabregas. Oscar. Non, mais putain, y a un trou comme mon cul. Ah, il n'a pas très bien donné son ballon. Voilà. Et les défenseurs. Hey, mon joueur, il court pas. Ils ont abandonné. Allez. Oh, c'est un grand face. Allez, le gardien sort. Voilà. Et c'est le 3-0 pour le PSG. Pas si l'enroulé ça a marché. J'ai testé avec L2 là cette fois-ci. L2. Je sais pas. Ouais, je sais pas si c'est bon. Et Ibrahimovic qui chambre. Ah, le jour où il va faire ça, franchement, ça pourrait être cool. Ibrahimovic faire la poule, ou le chicken. Bah, si un jour il regarde cette vidéo, ce qui m'étonne. Ah, bah, Ibrahimovic, hein, si tu regardes Salade avec Comolicon Salade, voilà, j'espère que tu vas bien. fais le poule quand tu marques. Voilà. Hashtag Ibrahimovic fait le poule. Ah, le poule. Je sais pas, la poule, puisqu'il parle avec un accent, tu vois. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Ça, il comprendra. Je suis dégueulasse, c'est ça. Oui. Oh, attends. En fait, il sort des blagues pourries pour que je sois un petit peu. Voilà, voilà, vous avez vu? Non, mais c'est quoi ça? Action dégueulasse. Hashtag action dégueulasse. Ouais, j'avoue, non, mais là, je suis dégoûté. Ah, mais je pensais qu'il y avait corner. Bah, non. C'est moi qui la sors, hein. Tu sors ce que tu veux, tu sais. C'est toi qui. Tu veux ce que tu veux. Mais pas de problème. Marco Verratti. Allez, je vais faire jouer le génie. Oh putain. Oh, été... Ah, il a sifflé déjà, c'est la fin de ce match. Ouais, 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 ouais. Félicitations à ceux qui avaient pronostiqué 3-0 pour notre match. Ouais, bah, j'espère en tant que. On va dire que parisien et aussi que français, que ouais. Paris sera aussi bien. Même si on sait tous qu'il y a des clubs français ou des villes de France qui diront putain, j'espère que Paris perdront parce que rivalité oblige. Bah, voilà, c'est comme ça. Bah, en vrai, bon. Tu sais, le mec, il va être faux cul et tout. En fait, je t'ai laissé gagner juste parce que je voulais que Paris gagne, hein, c'est tout. Non, mais ça se voyait. Ça se voyait par rapport à l'habitude. C'est vrai qu'il y a plein d'actions que tu m'as laissé. Ouais. Non, j'avoue que là, c'était. Enfin, j'ai joué à mon niveau. Et... Non, mais c'est comme je dis, c'est du cul. Après, t'as des moments où physiquement, mes joueurs, ils étaient au-dessus. Je sais pas ce qu'ils avaient. Et puis voilà, regarde cette action. Moi, je vois une action de toi, là, avec la tête que t'as mis avec Costa. Normalement, ça rentre. Normalement, oui. Bah, après, voilà quoi.
Là, ça aurait pu être le tournant du match, il serait revenu au score, ou c'était égalisation, il me semble, à ce moment-là. Je pense que c'était égalisation, si je dis pas de bêtises. Tu vois ? Puis ça aurait pu, ouais, ça aurait pu changer le cours du match, peut-être, on ne sait pas, comment dire ? C'est la beauté du football, c'est qu'on sait jamais réellement ce qui va se passer. Ah oui, que c'est beau. Ah, tu vois. Jean-Michel Largué. Putain, vachement mal en plus. Bon bah voilà, on va se quitter sur ces belles paroles, n'est-ce pas ? Ouais, tout à fait, et puis n'oubliez pas pronostiquer, donnez-nous vos prochains matchs, enfin les prochaines affiches que vous voudriez voir. Oui. Celle qui remportera le plus grand nombre de likes, on essaiera de le faire et j'essaierai de gagner cette fois-ci. Ouais, t'as tout dit. Voilà. Donc nous... T'as vu ? Là, oui, c'est... Non, allez, moi je vais la faire. Allez. Ouais. Donc nous, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut! Ciao tout le monde!